Salut, on se retrouve pour la suite de mon aventure là. Sur la ferme de ce vieux Marcel. Alors, on va continuer à travailler un peu. On se met dedans, on verra mieux. Ah, dommage pour le rétro. C'est moche. Bon allez, on va vite ramasser les andins avant que la nuit ne tombe. Dans tous les véhicules, il y a des outils. Voilà. Allez, on l'active. On la baisse. Et on est parti. Doucement, mais sûrement. Tout cas, j'espère que vous allez bien. N'ai toujours pas compris mon histoire de porte de grille qui ne s'ouvre pas. J'ai pourtant changé le map trigger, mais voilà. Comprends pas. Ça ne s'ouvre pas alors que toutes les autres s'ouvrent. Pas trop fort ce tracteur. Ouais, on va prendre à droite directement. Enfin, j'ai fait un fail, mais c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Parce que je rappelle que je découvre tout en même temps que vous à chaque fois, peu importe la série. Je fais tout avec vous de la tête aux pieds, si je puis dire. Donc je vais de surprise en surprise. Mais c'est pas bien grave, hein.
2, 3, 4, 4 moutons. 5. Je sais même pas combien il y en a. Alors je regarde ce qu'on vend la laine, vu que je vois qu'il y a déjà une palette qui se prépare. Le lait pour les vaches, c'est la même chose. Il faudra que je retombe sur l'endroit de la crèmerie. Heureusement, il y a des panneaux sur la route. Ça, je veux dire qu'il a eu une bonne idée. Belle animation quand même. Avant de faire le tour. Tant pis, on fera les allers-retours. En tout cas, bonnes vacances à tout le monde, hein, puisque ça y est, on y est. 1er janvier, juillet, pardon. Ira-t-on jusqu'au bout de la ligne? Je pense pas. Non, dommage. Allez, on va mettre ça dans la mélangeuse. T'aurais pas allé tout droit, Yves. T'as eu peur de rouler dans l'eau? Seul truc moderne ici, c'est le karcher, quoi. Enfin, le nettoyeur haute pression. Qu'est-ce qu'on a là-bas, en fait?
Les vaches. Peut-être mettre du foin chez les vaches, on va aller voir. Il faudra de l'eau aussi. Mais je n'ai pas vu la citerne. Il faudra chercher un peu. Voilà, ici, ça fiche pour ouvrir la porte. Pourquoi la grille non? Ça me tracasse ces trucs-là. Vous pouvez pas imaginer. Je vais mettre ça pour voir un peu plus clair. Ah bah on peut déjà vider. Qu'est-ce qui va se remplir? Bah perso j'ai rien vu. Capacité maximale, bah ouais. Je vais bien te croire moi. Allez, on sort de là alors. Ah bah y a encore un champ, deux champs, voilà. J'avais pas vu. Il sert à quoi le trigger là? Pour le lait peut-être? Voilà, je viens avec une citerne. Essayez ça. Crac la poule. Heureusement, elle les écrase pas. Alors, si je me trompe pas, c'est dans le premier. Oh là là. Il ne tourne pas aussi bien que les tracteurs modernes. La paille n'est pas acceptée ici, c'est lequel alors, c'est l'autre. Bah je suis con, je dis le premier. J'aime le troisième. Ah là là là. Allez, tourne. Pas très réel, on vide à 1 km et ça vide quand même. On va aller voir ce qu'elle raconte maintenant. Je te prie. Alors, qu'est-ce que ça dit? 43%. Du foin et de l'ensilage. On veut du foin et de l'ensilage plutôt. Je suis pas encore prêt d'en avoir. Hein. Bon, allez, on va achever ce champ-là. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas bien riche. 549 euros. On va pas aller loin avec ça.
On a voulu un petit bout. Tant pis. C'est pas pour un petit bout. Hein. Faudrait quand même qu'Arsenic explique pourquoi si on est en vieille France, les voitures roulent à gauche quoi. À gauche ou carrément au milieu de la route. Enfin, je suis pas là pour critiquer. Et sur toute carte, il y a toujours un bug ou un souci, donc on va pas chipoter pour si peu. Hein. On va s'adapter. Comme on fait toujours, on n'a pas le choix. Là, un petit lag. Il a senti, c'est pas pour rien. Ça c'est pas possible, ou alors j'appuie pas sur le bon bouton, je ne sais pas. Ça commence vraiment à m'énerver. C'est quoi ça? Aucun bouton qui va, donc je n'insiste pas, cette porte restera définitivement fermée. Bien, je viens de découvrir, je peux remettre l'essence là.
Ouais, c'est une barrière qui surprend tout le temps. Ah, j'avais pas vu ça, c'est quoi ça? C'est un cuvalisier ou quoi? Les infos pour voir. Ça ne dit rien. À mon avis, ça doit être ça. C'est quoi? C'est bon, faudra qu'on fasse l'essai. À mon avis, voilà, on vient ici avec la remorque. C'est ça, niveau de remplissage, 1000. D'accord. Voilà, j'ai encore découvert un truc. Quand je viens de découvrir que le vieux tracteur se salit. C'est bien. Bon, il n'y a pas de route là. Si, là. Petit sentier. Après c'est de l'eau. Moins qu'on puisse traverser, je pense pas. Hein. On va y arriver. Ou pas. Dans la galère comme d'habitude. Change pas une équipe qui gagne. Bon allez, roule dans le champ, c'est pas toi mais tu t'en fous. Est-ce qu'il y a une route là? Non, c'est encore de l'eau. Je ne sais plus par où je suis passé tout à l'heure. C'est même pas tout à l'heure, c'est la semaine passée. Voilà, il faudrait que je joue plus souvent. La barrière. Ah bah oui, j'étais passé à travers la barrière vu que j'étais resté coincé, c'est vrai. Que je suis bête. La tête, c'est là que j'étais passé. Je cherche midi à 14h pour rien. Fais rien, on va faire tout le tour. Hein. Moins que ni vu ni connu, on passe là. Voilà. Qu'il n'y a rien sur le champ. Allez, on active. On descend.
Pardon? En tout cas, on voit que c'est vacances, que c'est début juillet. Il fait déjà calme sur YouTube. Il n'y a plus beaucoup de gens en live le soir. Déjà moi-même, je live pas. Je sais que pour l'instant, c'est toujours la même chose, de la moisson, etc., etc. Mais c'est comme ça tout le temps. C'est la vie d'agriculteur qui veut ça. Pour l'instant, on fait ça. Après, ça va changer, on va un petit peu. C'est culti, on va semer, donc ça va changer. Mais avant, il faudrait peut-être que je regarde s'il n'y a pas une offre ou une demande exceptionnelle. Je sais même pas si c'est activé. Parce que bon vieux Marcel, il m'a pas laissé grand-chose comme argent. Et je pense qu'il va falloir investir. Est-ce qu'on est ici, hein? Parce que je ne pense pas avoir vu une tonne à eau. Si je vais donner de l'eau aux vaches et aux moutons, j'ai pas le choix d'en avoir une. À moins que Marcel en aurait une qu'il l'aurait cachée quelque part. Il faudrait que je regarde ça en détail. C'est ça de reprendre la ferme de quelqu'un. On ne sait pas ce qu'il possède ni où ça se trouve. Et comme Marcel n'est pas prêt de revenir, il en a encore pour un bon bout de temps. Je vais encore galérer pendant un bon bout de temps. À moins d'avoir quelqu'un un jour qui vienne m'aider. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, mais c'est ici que je vous quitte, moi, je vous abandonne là. Je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous plaît, que vous reviendrez après. Un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir. Je vous dis à bye bye, à la prochaine. Ciao.